Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler créatine parce que voilà, c'est un sujet qui marche. C'est un sujet où il y a pas mal de vues, pas mal d'audience par rapport à ça. Donc pourquoi pas continuer de parler de ça, mais plus précisément des grammages de la créatine et aussi d'autres compléments alimentaires et d'anecdotes plutôt cool. Parce que oui, il y a plein de personnes qui me demandent combien de grammes de créatine faut prendre, combien de grammes de créatine tu prends. Et c'est intéressant de parler de ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, je vais remonter les manches pour que les biceps y ressortent bien, parce que là, ça va pas du tout. Ok, on est bon. Bon, on est beaucoup sur la chaîne, et pour ça, je vous en remercie. On est 8000 abonnés, 8000 pour moi, c'est énorme, d'accord? C'est énorme, je laisserai personne dire le contraire. 8000 abonnés, c'est beaucoup. Dans tous ces abonnés-là, il y a des personnes qui viennent de France, d'accord? Il y a des personnes qui viennent d'Angleterre, de Suisse, du Canada, aussi énormément. Bonjour à vous mes Canadiens, vous êtes les personnes qui venez de très très loin, mais aussi de l'Afrique, tu vois. Et les grammages des compléments alimentaires, c'est pas les mêmes pour tous les pays. D'accord? La créatine par exemple, là je vais prendre la citronnée. La créatine par exemple, en France, il me semble que c'est 3 grammes, il y a marqué là 3 grammes. En fait, il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour en France. Aux States, c'est un peu plus, ok? Enfin, au Canada, Canada et States, je pense que c'est pareil. Tout ce qui est vers l'Allemagne, Angleterre, je pense qu'eux aussi, ils ont leur dosage. Et tu vois, ce qui fait que moi, je ne peux pas dire les grammes que je prends parce que si une personne au Canada, il dit, bon, dame, s'il prend 3 grammes de créatine, moi aussi, je vais en prendre 3. Alors que lui, ça se coupe, c'est 8 grammes, tu vois. Ça dépend. Moi, je vais te dire en toute honnêteté ce que je fais. Je ne vais pas te dire les grammages que je prends, mais moi, je regarde ce qui se fait au State. Et je fais pareil, d'accord? Ça veut dire que si au State, c'est 8, je prends 8. Si au State, c'est 15, je prends 15. Si en France, on dit qu'il ne faut pas prendre 15, je suis les States. Parce qu'en fait, pour moi, c'est simple. Moi, je me suis dit, aux States, ils ont toujours été plus balèzes que nous en France. Et ça, je parle à vous, aux Canadiens qui me suivent sur la chaîne. Nous, en France, on n'est pas balèzes comme les mecs des States, d'accord? Vous avez des vrais gars balèzes. Vos gars de 16 ans, ce n'est pas nos gars de 16 ans, d'accord? Donc, pour ressembler à vos gars de 16 ans, il faut que je mange comme eux, il faut que je consomme les compléments comme eux. Donc, j'essaie de m'aligner au mieux des Américains sur les compléments alimentaires et les grammages, que ce soit whey, créatine, BCA et tout. Par contre, attention, parce qu'avec la créatine, j'ai fait pas mal de conneries. D'accord? J'ai fait pas mal de conneries. Il me semble qu'une scoop, c'est 3 grammes ici. J'ai déjà pris 400 scoops, d'accord? À l'ancienne, d'accord? Quand je me disais, bon, nick, je prends par scoop. Je m'en fous du reste parce que, tu vois, quand tu as les vidéos States, voilà, tu vois, les mecs, ils s'en tapent. La créatine, c'est du lait concentré pour eux, tu vois. Donc, j'ai déjà pris plusieurs scoops de créatine et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des boutons. Je commençais à avoir des boutons, d'accord? Mais des boutons sur le front, un peu sur les bras, mais pas sur le dos, d'accord? Pas sur le dos. Parce que oui, il y a plein de personnes qui peuvent dire, ouais, la créatine, ça donne des boutons sur le dos et tout, je sais pas quoi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des personnes qui en prennent. Ça dépend des grammes que tu prends. Ça dépend aussi. Enfin, toujours, ça dépend des personnes. Ça dépend de ta morphologie. D'accord? Ta morphologie. Enfin, ta génétique plutôt. Pourquoi j'ai ta morphologie? Ta génétique. Parce que si tu as une génétique à avoir beaucoup d'acné, si tu as eu beaucoup d'acné, et ben ça réveille l'acné, tu vois. Tu auras beaucoup de boutons. Si déjà de base, tu as beaucoup de boutons sur le visage, tu en auras beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu beaucoup d'acné. J'avais toujours un ou deux boutons sur le front, c'est tout. Bah ben là, ces boutons sur le front, ça les a réveillés direct. Et là, je me suis dit, faut que j'arrête. Mais j'ai peu de boutons sur le dos. Même si je prenais des surdoses de créatine, j'avais pas de boutons sur le dos, aucun. Donc ça dépend des personnes, les gars. Ça dépend des personnes, vraiment. Et là, j'ai pas envie d'induire des gens en erreur, j'ai pas envie d'influencer des gens, mais j'ai juste envie de partager mon expérience avec toi, hein, parce que c'est normal, on est là pour ça. Surdoser la créatine, ben pour moi, c'était pas une erreur.
C'était pas un échec. Et ça m'a causé plus de bien que de tort. Le seul tort que ça m'a causé, c'est que ça finissait plus rapidement. Mais sinon, je me sentais bien, j'avais un peu plus de force. Et ce qui m'a fait arrêter de surconsommer, c'était les boutons sur le front. C'est tout. Sinon, en soi, nique, j'étais bien. J'avais pas encore le durag à cette époque-là. Le durag, je mets là et je cache tout. Non, j'avais pas encore ça. Mais je me sentais beaucoup plus fort et je me sentais bien dans mes séances. Parce que je mangeais bien aussi derrière, je buvais beaucoup d'eau. Parce que créatine, qui dit prendre la créatine, c'est boire beaucoup d'eau. Donc pour les reins et tout. Mais je me sentais bien. Je me sentais bien. Et là, j'ai même envie de refaire, on va dire, une petite dose un peu plus élevée. D'accord? Mais plus élevée que 3 grammes en tout cas. Mais ça m'a fait du bien, personnellement. Après, voilà. Toi qui m'écoutes et qui dis, bon, dame, s'il a surdosé, je vais surdoser aussi. Essaye de voir ce que la créatine avec la dose de base te fait. Parce que oui, moi, de base, j'ai pris une dose simple. De base, je prenais des doses simples. Je progressais un peu. Après, j'en avais marre et j'ai pété un plomb. Mais regarde d'abord ce que ça fait. Regarde avec l'acné où tu as des boutons. Si tu n'en as pas beaucoup, augmente les doses. Si tu sens qu'avec la dose normale, tu as beaucoup de boutons, reste sur la dose normale. À part si tu te dis, bon, moi, je me tape des boutons, on y va, tu vois. Mais je ne vais pas t'induire à surdoser, d'accord? Moi, c'est vraiment une expérience que je voulais faire. Je voulais me rapprocher le plus de ce qu'aux États-Unis, ils font. Comme il y en a qui se chargent, il y en a qui ne se chargent pas, mais ils prennent des compléments beaucoup plus dosés que nous. Et je voulais voir ce que ça faisait à moi aussi, clairement. Par contre, mes Canadiens qui me suivent, vous ne surdosez pas, vous n'avez pas le droit, vous. Vos compléments, ils sont à la limite de l'explosion. Donc, gardez-les comme ça, c'est très très bien. C'est nous en France, si vous voulez, ben, nos compléments, c'est vos compléments divisés par deux, tu vois. Donc, nous, on est obligé de. Enfin, on n'est pas obligé, mais si on veut être comme vous, on doit augmenter les doses et faire les choses correctement. Et il n'y a pas qu'avec la créatine, il y a aussi avec les pré-workouts. Tu vois ça là, les petits pré-workouts, les trucs comme ça, les trucs cool comme ça. Avec ça, j'ai fait de la dinguerie. J'ai fait une vidéo dessus, mais il faut que je t'en reparle. Les pré-workouts, franchement, c'est bien. C'est bien, ça te donne plus de force, plus d'énergie. Pendant ta séance, t'es bien, t'as envie de tout casser et tout défoncer. Ce qui est bien avec le pré-workout, c'est que c'est le seul complément qui agit directement et que tu sens agir. En fait, tu vois, si tu sais pas ce que ça fait d'être chargé, prends un pré-workout, d'accord? Prends un pré-workout, comment tu vas te sentir? Pour moi, c'est comment un chargé de sang toute la vie, clairement. Mais enfin, franchement, tu te sens bien, tu fais ta séance, tu as envie de tout casser, tu es concentré, tu es focus et tu es bien. Mais avec certains pré-workouts, quand tu augmentes les doses, celui-là, je pense pas. Mais ça, j'ai jamais pris plus d'une scoop. Toujours la scoop me mettait bien. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas pris, mais quand je vais être habitué, je commence à prendre 2 scoops. Certains pré-workouts, quand tu prends 2 scoops, ah, mais c'est terminé. C'est terminé. Moi, tu sais, j'avais une boutique de compléments alimentaires où j'allais, elle n'existe plus maintenant, parce que je pense qu'il y avait des problèmes et tout. C'était un mec où tu lui disais, bon, écoute, frérot, il me faut un vrai pré-workout. Il te regardait comme ça pour voir si t'étais pas un policier, et il disait, viens avec moi. Tu vois, en fait. Quand un vendeur de compléments te dit viens avec moi, tu sais que tout ce que tu vois en façade, c'est n'importe quoi. En fait, c'est que pour décorer, clairement. Là, dès que tu viens avec lui, tu rentres dans une autre boutique, dans un espace où tout est noir, il allume des lumières, il sort des bâches, il ouvre des valises et là, tu vois des pots noirs avec des démons dessus. Et c'est des pré-workouts énervés. C'est un truc, quand tu prends une dose, tu parles tout seul. D'accord? Donc, j'en ai acheté 4. Des trucs comme ça. Clairement, parce que moi, je voulais passer à un niveau supérieur. Des pré-workouts avec des bons dosages. Et je prenais 2 doses. D'accord? 2 doses. Alors que de base, il disait 1 dose. Mais le mec, il me disait quand même, bon, si tu veux bien sentir, prends 2 doses. Tu vois, voilà. En fait, le mec, il te vend un truc qu'il n'a pas le droit de vendre. Il dit quand même, si tu veux bien sentir, prends plus de doses qui est compromis dans le sachet, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, mes sens n'étaient plus les mêmes. Bon là, les effets,
ils sont immédiats, mais ils sont bizarres. Même toi, tu te reconnais plus. Tu sais, moi, quand je prenais 2 doses, j'avais un casque avec de la musique, mais la musique, je l'écoutais plus, tu vois. Mais je voulais avoir mon casque sur moi. En fait, c'était trop bizarre. Je voulais avoir un casque avec de la musique, mais les paroles, je les écoute pas. Je voulais juste envoyer. C'est des moments où je marche dans la salle, je parle tout seul. Je vois des gens, ils me disent bonjour, je les regarde pas, tu vois. Mon regard, il est que figé vers moi devant le miroir et mon objectif. Donc ça, c'est bien, d'accord? Ça, c'est ce que ton pré-workout peut te donner. Après, ça dépend du pré-workout. Mais ça, c'était bien. Mais faut pas en abuser parce que après, tu dors plus. Tu vois, clairement, après, c'est terminé, tu dors plus jamais. Parce que carrément, quand je travaillais avant dans le commerce, je prenais mon pré-workout le vendredi, je travaillais le samedi. On disait, ah, t'as pas dormi, t'as les yeux rouges. Je faisais, non, ça va, tu vois. Ils savaient que je fumais pas, parce que voilà, je suis sportif, ça se voit et tout. Mais à chaque fois, j'étais là, non, ça va, je me sens bien, j'ai pas dormi de la nuit. Le pré-workout, il me tapait dans la tête, j'avais encore mal à la tête. Et ça, c'est le désavantage des pré-workouts. C'est la descente, d'accord? Parce que, en fait, un pré-workout, c'est comme si que. Tu vois, les PC portables. Moi, mon PC portable gamer, là, quand tu le branches, il tourne à fond. Tu peux jouer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand je le débranche en mode PC portable, transportable, il a 20% de ses capacités. Ça veut dire que tu ouvres une fenêtre Windows, il n'a plus envie. Tu vois, là, c'est terminé. Et ben, le pré-workout, il part comme ça. Il vient d'un coup, tu es boosté, mais quand il part d'un coup. Et c'est brutal. En fait, c'est comme si que tu faisais un saut de 8 étages et que tu descendais par terre. C'est comme ça. Ça veut dire que quand tu rentres, tu commences à être KO, tu commences à être fatigué, tu commences à avoir mal à la tête, mal au ventre, des nausées. Et plus tu augmentes les doses, plus c'est pire, tu vois. Donc, et ça peut durer plusieurs jours. Hein. De toute façon, je compte te prévenir. Ça peut durer plusieurs jours. Donc tu te sens mal, tu te sens limite malade, un peu nauséeux et tout. Tu te fais, waouh, c'est ça les pré-workouts. Et la pire sensation, c'est que tu te sens fatigué. T'es fatigué, mais t'arrives pas à dormir. Tu vois? Ça, c'est la pire sensation du monde du pré-workout. Quand t'en prends trop. Même quand t'en prends, hein, de base, celui-là, tu prends là à 21h, tu vas à la salle, t'auras du mal à dormir. Donc quand t'augmentes tes doses, c'est encore pire. Tu vois? Et t'as envie de rien faire. Se dire que t'es sur ton téléphone, sur les réseaux, t'as envie de rien faire. Tu peux même pas jouer à la play, t'as envie de rien faire. En gros, t'as mal à la tête et t'es fatigué. Donc, pour moi, ça, clairement, c'était une erreur. Ok? C'était une erreur. J'ai pu faire de bonnes séances, de très bonnes séances, mais c'était une erreur. C'est pour ça que j'ai arrêté les pré-workouts pendant au moins 2 ans, hein, tu vois. Au moins 2 ans, 2 ans et demi. Histoire de me m'éloigner de tout ça, de me dire, bon, vas-y, c'est bon. Et de toute façon, mon physique était déjà bien. Clairement, mon ascension en pré-workout, c'était là où je construisais mon physique. Là où mon physique, j'ai touché, on va dire, ma limite naturelle. Bon, je sais que je pouvais aller au-dessus, mais j'ai touché le seuil de ma limite naturelle, donc je me suis fait, vas-y, c'est bon. C'est bon, je suis fatigué, je travaille derrière. En plus, voilà, j'ai plus trop le temps pour ça. C'est bon, j'arrête, je fais une pause. Et cette pause, les gars, elle fait mal. Elle fait mal. Parce que quand ton corps est habitué à avoir du pré-workout, quand ton corps est habitué à être entraîné dans les séances, à avoir du boost. Quand tu t'entraînes sans pré-workout, t'as l'impression que t'es nul. T'as l'impression que tes séances sont nulles. T'as l'impression que t'as plus d'énergie. T'as l'impression que t'es fatigué tout le temps. T'as l'impression que t'as plus de force. T'as l'impression que tu fais des séances de merde à chaque fois. Tu vois? Donc ça, c'est dur. Réapprendre à s'entraîner. En fait, c'est ça, c'est tu réapprends à t'entraîner. Tes charges, c'est même plus les mêmes. Alors quand t'arrêtes créatine plus pré-workout, parce que la créatine se prend sous forme de cure. Quand tu arrêtes créatine et le pré-workout, ben là, c'est terminé là. C'est terminé. Là, tu as l'impression que tu recommences tout à la salle. Même tes bras, tu les vois différemment. Même ta congestion, rien n'est pareil. Parce que oui, les pré-workouts, ça améliore ta congestion, ça améliore ton focus, ta forme, tout, ton agressivité. Mais quand tu coupes tout ça, c'est terminé. En gros, c'est comme si tu étais accro à une drogue et qu'on te la retire. Sauf qu'il n'y a pas les effets de dépendance où tu peux tuer des gens pour continuer à consommer, tu vois. C'est dur, franchement, c'est dur. J'ai réussi à sortir de ça,
Mais franchement, c'est dur. C'est pour ça que je dissuade là. Je dissuade vraiment les personnes à déjà prendre des pré-workouts en arrière-boutique de compléments alimentaires. Tu peux le faire si tu veux vraiment voir ce que ça fait. Mais attention avec les charges, d'accord? Attention avec les doses plutôt. J'ai dit avec les charges. Avec les doses. Et aussi avec les charges en musculation. Parce que pour rester sur ça, en fait, les pré-workouts, quand on prend sous plus bonne dose, et ben tu peux faire des mouvements musculation où tu as des tendinites, tu te blesses, mais ton corps, tu le sens pas. Donc tu forces. Par exemple, je suis un développé militaire, hop, 40 kilos, je sens que mon épaule, elle me fait mal. Enfin, mon épaule, elle a mal, mais moi, je le sens pas parce que je suis focus, je suis concentré, je suis énervé. Je sens que c'est facile, je me dis, vas-y, donne les 50. Bam! Je fais des mouvements à 50. Et dès que tu rentres, tu sens que tu es blessé, et là, c'est terminé. Et dès que tu sens que tu es blessé, tu peux manger tout ce que tu veux, ton corps, il va te dire que tu es blessé, là, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. La chaise a fait un bruit bizarre, là. Elle a fait un bruit de paix. J'ai pas envie qu'on croie. Et là, ça ne va plus le faire, le bruit. Là, j'ai beaucoup parlé, hein. Je suis parti loin, mais c'était important. C'était important de raconter tout ça. Parce que voilà, je devais le dire, ok? Au niveau de la créatine, augmenter les doses, pour moi et selon moi, c'est pas très grave. Du moins, dépasser les normes françaises, c'est pas très grave. Dans le sens où je me dis, au State, ils ont ces doses-là, donc moi, je prends ces doses-là. Je m'aligne à eux, je m'en fous. Comme ça, au moins, je reste dans le safe mondial. Et voilà, la créatine se prend sous forme de cure aussi, d'accord? Moi, faut savoir, moi, je la prends entre 3 et 6 mois, ok? En général, la créatine, je la prends que dans ma prise de masse. Voilà. Si ma prise de masse, c'est 3 mois, je la prends pendant 3 mois. Si ma prise de masse, c'est 6 mois, je la prends pendant 6 mois. Et après, je suis tranquille. En sèche, pas de créatine. Jour de repos, je prends pas ma créatine, ok? Et puis voilà, la créatine, je la prends que quand je m'entraîne. Je sais qu'il y en a qui la prennent pendant leur jour off, pardon. Moi, je la prends pas parce que j'écoute les bodybuilders à l'ancienne, ok? Même si que eux, voilà, ils se chargent et tout, voilà, je m'en fous. Ils ont émis un protocole avec leur complément alimentaire. Moi, je suis, ça marche pour moi, je suis content. Juste un truc que je teste en ce moment, c'est la créatine après l'entraînement quand j'ai le temps. Parfois, j'y pense pas. Malheureusement, parce que en fait, quand c'est après l'entraînement, j'y pense pas. J'ai envie de rentrer, manger et bosser, dormir, tu vois. Flemme de prendre un complément parce que c'est quoi, c'est 30 minutes après ou je sais pas, tu vois, j'ai pas le temps de compter, malheureusement. Mais quand j'y pense après l'entraînement, et puis à voir si ça fait des effets beaucoup plus productifs qu'avant l'entraînement. À voir, on verra, je te dirai ça dans tous les cas. Bon, moi sur ce, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je suis parti dans tous les sens, ok? Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.